Good morning, Aleiden, les tuteurs aujourd'hui, les Lunishmat, Amram, Yona, Ben Hana, Peggy, Batester, Zra, Bat Mazaltov, Shishportish, Simon, Bat Leonie, Michael Novikov, et Lirfuat, Ruth, Bat Claudine, Traina, et Simcha, Bat Masoudi, Btor, Shachol, Israël. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Asechet Shuot, Perek Zain, Mishnah Zain, Mishnachet, Ve'elu Nishbain, Shelo, Betahana, Hashutafin, Ve'arisin, והאפוטרופין, והאישה הנושאת והנותנת בתוך הבית ובין הבית. אמר לו, מה אתה טוען אני? רצוני שתשבע לי. חייב. חלקו השותפין והריסין, אין יכולים להשביעו. נתגלגל עלו שבועה ממקום אחר, מגלגלים עליו את הכל. והשביעית משמטת את השבועה. ואלו נשבעין שלו בטענה. Tels sont les personnes qui peuvent imposer de jurer sans rien réclamer. C'est un peu bizarre de quoi on parle. Alors on va faire une petite introduction. Auparavant, de manière générale, à chaque fois que l'on doit jurer, on ne jure que lorsque celui qui réclame, réclame Betsura Bari, Vadai, certainement, je prétends que tu me dois 1000, de manière ferme. Ouais, mais si je viens et je te dis, peut-être que tu me dois 1000, tu veux bien me jurer? De manière générale, je ne peux jamais imposer une jvoua. Il faut nécessairement une ta'ana, ta'anat bari, affirmer de manière certaine, avec certitude, ferme. D'accord? Malgré tout, il y a certains cas particuliers que ve'elu nishba'in shelo betana. Telles sont les personnes qui peuvent jurer, à qui l'on impose de jurer, même sans prétendre. Comme ce que la Mishnah va nous le dire juste après, quand il y aura marqué Amarlo mata to'anani, l'autre il me dit, qu'est-ce que tu me réclames? Et moi je te dis, je réclame rien, je sais pas si tu m'as volé ou pas. Retzoni sheti shavali, chayav. Je veux juste que tu jures que malgré tout que tu m'as pas fait une entourloupe. Chay, eh bien il devra jurer. Quel est le cas? Quels sont dans quelle situation? C'est-à-dire, il y a en fait des situations, comme ce qu'on va voir, on va les traduire tout de suite. Hashutafim, les associés. Veha arisin, veha apotrophin. Les deux ensemble, ce sont deux formes de gérants de biens. Ouais, on parle d'un apotrophos qui gère aussi des biens. Apparemment, il y en a un au pourcentage, l'autre au forfait. Idem encore, Vaisha noset va notenet betoch habayit. Si c'est sa femme qui s'occupe de diriger son business, ses affaires, entre noset et noten, elle commerce, elle achète, elle revend ses marchandises, betoch habayit à l'intérieur de la maison. Ou ben habayit, ou encore, le fils, ou le frère, ben ouais, un des enfants, ben habayit, plutôt plus précisément, on parle d'un grand frère, lorsque le père décède, ils restent tous ensemble. Il y a des grands frères qui s'occupent de diriger la maison pour les petits frères. Eux, ils font rentrer de l'argent. Et bien, malgré tout, les petits frères seront en droit de jurer aux grands frères quand viendra le temps, la période de partager les biens. Maintenant, ça y est, ils ont tous grandi. Bon, on achève. Alors, ils pourront demander aux grands frères de. Donc, quand ils vont se partager, ils pourront demander aux grands frères, jurez-nous que vous n'avez pas mis de côté un petit peu plus d'argent. Le principe de toute cette Mishnah. Encore cette petite phrase. Et donc, dans tous ces cas de figure, Amar lo mata to'anani. L'accusé, le soupçonné, il dit, qu'est-ce que tu me réclames? Tu me réclames quelque chose de concret? Et l'autre, il pourra lui rétorquer, Retsoni sheti shavali, juste que tu jures que tu as bien dirigé, bien géré les affaires de manière honnête, que tu n'as rien mis de côté, que tu t'es pas trompé, et parfois tu t'es permis d'acheter un petit peu plus que ce que tu avais le droit de faire, eh bien, il sera chayav de jurer. D'accord? Le principe, il est très simple. C'est vraiment une takanat rachamim. Rachamim sont venus et ont imposé que on pourra assurer le fait que des associés, que des personnes que je ne peux pas, pour en avoir le cœur net, pour les man à shalom, pour la paix des foyers, la paix des associés, la paix des hommes, ouais, jurer, même des frères aussi, c'est le même principe, on pourra imposer malgré tout de jurer que tu as dirigé les affaires de manière propre, sans entourloupe. Et c'est les quelques exceptions où on a le droit de réclamer donc un serment, alors que je ne réclame rien de manière certaine. D'accord? Par contre, tout ça c'est tant qu'on est encore associé ou qu'on a encore nos affaires entre nous. Chalku ashutafin va'arisin. Si les associés ou encore les gérants se sont séparés, ça y est, on se barre en jambes, ça fait 5 ans, 8 ans qu'on est ensemble, on met un terme, on se sépare les biens. Et deux mois après, je rencontre mon ami. Comment ça va les affaires chez toi? Ouais, très bien. Ah, tu réussis? Mais dis-moi, t'avais peut-être détourné un petit peu des fonds. Enfin,
je veux pas te soupçonner, mais j'aimerais bien que tu me jures. J'ai gardé ça sur le cœur, j'aurais voulu que tu viennes t'inviter au Bedin, que tu jures de nouveau. Après, donc, qu'on a déjà séparé les biens, on a déjà partagé les biens. Donc, Khalko et Shutafin Varisin, une fois qu'ils se sont séparés les biens, la Mishnah enseigne En Yachol Lehashbio. Il n'aura plus le droit de lui imposer de jurer. Tant qu'on est encore Shutaf, on impose de jurer même sur un Safek, mais si on n'est plus Shutaf, on ne pourra plus l'imposer de jurer. Si toutefois il réclame de manière Vada'it, avec certitude que tu me dois telle somme, alors bien sûr qu'il pourra l'imposer de jurer, il y aura une Shuvah T7. Mais en tout cas, ce droit particulier d'imposer à un associé de jurer, même sur une ta'anat safek, ta'anat shema, quelque chose d'incertain, il aura perdu s'ils se seront déjà partagés les biens. D'accord ? C'est clair ? Néanmoins, nidgalgela lo shvua mimakom acher, si toutefois, dans leurs affaires futures, après 2 ans, 3 ans, il y aura une quelconque affaire entre eux, qu'il lui aura prêté de l'argent par exemple, et que l'autre fera une reconnaissance partielle, donc il devra jurer la Shuvah de la Torah, alors, Nidgalgela, le Shuvah Mimakom Acher, si il va se retrouver avec, littéralement, Nidgalgela, elle a roulé sur lui, ça veut dire qu'il s'est retrouvé dans une situation, finalement, il devra lui jurer une quelconque autre Shuvah, par exemple, je lui donne un objet à garder, et il l'a perdu, il affirme que c'était pas volontaire, donc je serai en droit de le faire jurer, d'accord ? Ça joue à ta chambrim, comme on va l'apprendre dans le prochain pérec, Bezrat Hashem. Alors, dans ce cas-là, c'est une grande règle qu'on a déjà appris, Megalgelin alav et akol. Je serai en droit d'être Megalgel sur lui, de sauver l'occasion pour lui demander d'éclaircir encore plusieurs situations ambiguës. C'est une grande règle dans toute la Torah, c'est ce qu'on appelait le Gilgul Shuvua. On l'a déjà évoqué, je crois même dans cette Meseret, déjà on l'a déjà vu, en tout cas on l'a vu fréquemment même, que dès que je suis en droit de réclamer que tu jures pour éclaircir une situation, je suis en droit aussi de te demander de m'éclaircir plusieurs autres situations qui étaient un petit peu floues et ambiguës. Je n'avais pas le droit de les réclamer directement, parce que j'affirmais pas avec certitude, mais à présent, puisque de toute façon tu dois jurer, si déjà, jure plus. On avait déjà même rapporté dans ce Masrach du Wot. On apprenait ça du Pasuk, Vamra Isha, Amen, Amen, que dans de la Sota, on apprend ça. Dans la Sota, qui a éventuellement trompé son mari, le mari est en droit de lui imposer de jurer au Beth Amikdash avec la fameuse les eaux amères en lui faisant boire et tout ça. Alors là-bas, la Torah dit Vamra Isha, Amen, Amen. Elle devra dire 2 fois Amen, Amen. Jurer. Amen, c'est une Shuvah. Ouais, ce que tu demandes que j'atteste, je l'atteste. C'est ce que ça veut dire le mot Amen. J'atteste. Donc maintenant, Amen, Amen. Il y a marqué 2 fois dans la Torah Amen, Amen. J'atteste. Parce qu'en fait, on apprend de là que le mari va lui dire, si déjà tu jures que tu ne m'as pas trompé cette fois-ci, jure que tu ne m'as pas trompé aussi depuis qu'on est marié, même depuis qu'on était fiancé. Et il y a plein de... Ouais, ni avec cet homme, ni avec un autre homme, alors que là-bas, je n'ai pas le droit de lui demander de jurer. Mais si déjà, elle doit jurer, alors on lui demandera de jurer, peut éclaircir toutes les autres situations ambiguës. Selon le même principe, c'est ce qu'on appelle le Gilgul Shuvah, puisque de toute façon, donc, si l'associé aura... l'ex-associé, aura une quelconque occasion de le faire jurer, alors il pourra lui demander d'éclaircir aussi la situation depuis le moment où on était associé. D'accord ? Dernière halakha, qui n'a plus de rapport avec le reste de la Mishnah, ça se rapporte sur toutes les shvuot qu'on a appris jusqu'à maintenant. « Vashvi'it meshametet et shvua » L'année de la 7e année, lorsque l'on annule toutes les dettes, alors la dette annule aussi la shvua. Soit, je t'avais réclamé que tu me devais 1000, et tu m'avais dit « Non, tu me dois que 200 ». Ça, on était avant la fin de la Shvi'it. Il s'avère que maintenant, tu as un devoir de jurer. J'ai le droit de te traduire en justice, de t'amener maintenant au Beth Din, et de te demander de jurer, puisque tu as été modé, bemiksa, tata, ana, tu as reconnu partiellement la dette. Qu'est-ce qui se passe si notre différent éclate en Av et Loul ? Ouais, au lieu de faire tchouva, on a préféré se taper dessus. Et puis, je rate l'occasion de t'amener durant tout le mois de Loul, on se retrouve finalement après Tishri, en te disant, bon, allez, viens, maintenant je t'amène au Beth Din. Eh bien, aussi bien que la Shvi'it annule les dettes, la Shvi'it annule aussi la Shvua, puisque maintenant il n'y a plus de dettes entre toi et moi. De ce fait, tu ne pourras plus jurer. D'accord ? On a fini la Mishnah et on fait très rapidement le Barthé droit. Et l'on Ishmael Shelo Betahana, voici ceux qui peuvent jurer sans Shelo Betahana, sans affirmation, c'est-à-dire Shelo Betahana de Bari, sans réclamer de manière Bari, en attestant fermement. Et là, Betahana Shema, mais en demandant éventuellement, schéma, peut-être. Chez toi, non, schéma, akavta, micheli. Peut-être, en le réclamant, peut-être que tu as gardé un peu plus d'argent qui m'appartenait.
ומשום דכל הנאמרו היתר לעצמם, לפי שתערכו בנכסים. Pourquoi spécialement à eux on a imposé de jurer? Étant donné que toutes ces personnes qu'on a évoquées dans la Mishnah, ce sont des personnes qui s'impliquent beaucoup pour faire fructifier mes biens. De ce fait, emoru heter. Ils ont une tendance à se dire, bon, ça va, c'est pas grave, s'ils prennent, finalement, grâce à eux, je deviens millionnaire, alors qu'est-ce que ça peut faire s'ils prennent 100 shekels de plus? Et bien malgré tout, Mishumachir, Amura Banan, je vois là, c'est pour ça que, puisque ils se permettent quelques petites permissions là, alors, ils risquent de se permettre des choses, alors Chachamim leur ont imposé de jurer pour éclaircir leur situation. Les apotrophines, c'est quoi les apotrophines? On avait dit que c'était des gérants de biens. Shintasku Bemamon, Adam, les Achnis, ou les Osiv, les Savliten, que ce sont occupé de faire fructifier l'argent d'une personne, à faire entrer et sortir, c'est-à-dire dépenser, vélissa, véliten, gagner, investir, et récupérer, revendre, et voilà. Avala apotrophos, par contre, malgré tout, apotrophos, c'est l'atomime. Attention, parce que à chaque fois qu'on parle d'apotrophos, en théorie, un apotrophos, c'est pas juste un gérant de biens, mais c'est plutôt un apotrophos de... qui gère les biens des orphelins. Ouais, à Agave, le mot apotrophos, c'était rapporté dans Tifa Tixal, une fois je l'avais vu, ça vient de Fater. Même en Yiddish, Fater aussi, c'est comme en anglais. Le père, apotrophos, c'est celui qui reprend le rôle du père pour gérer les biens. Alors, malgré tout, le Bartholomew dit, ah bah apotrophos, c'est l'étomim, le gérant de biens des orphelins, iminahu betdin ishava. Si le betdin l'a nommé, alors il devra jurer. Par contre, veimavi etomim minahu lo ishava. Si c'est le père des orphelins, avant de décéder, il avait demandé à son très cher ami d'enfance, quand il quittera son monde, le monde, ce sera lui de gérer les biens et d'entretenir sa famille, et qu'il le fait. Alors le Ishara, parce que là, il agit complètement Bechesed, il lui a donné la crédibilité. D'accord? Ensuite, on continue. Vaisha noset va notenet betoch habayit, la femme qui s'occupe de commercer à l'intérieur de la maison, shoshiva ba'ala chenvanit o apotropha nechassav, que le mari l'a nommé, l'a désigné pour gérer les entrées et les sorties de la maison. Ou ben abayit, aussi l'enfant de la maison, c'est-à-dire un des grands frères, par exemple, qui s'occupait de faire fructifier le patrimoine, l'argent du père, avant que, une fois que le père est décédé, c'est lui qui a géré la maison. Chalkou, lorsqu'ils se sont séparés, s'ils ont séparé leurs biens, d'accord, ils ne se sont pas imposés de jurer au moment du partage. Alors ils ne pourront plus imposer de jurer juste après. Par contre, Nidgal Gelal au Jvoa, Etzlam Achrechen, si il y a une Jvoa, que de toute façon il a eu besoin de lui jurer pour éclaircir une quelconque situation, Megal Gelin Gam Metzo Alav, on pourra même lui mettre sur son compte de jurer les fameuses Jvoat qu'on a appris dans le Mishnah des associés et tout ça. Ou Kederer, Shemegal Gelin, Bejvoat, Atora, ou Bejvoat, Shei, Sheken, Shaltora, Kach Megal Gelin, Jvoat, Esed, le partenaire de l'enseigne, que sache que le Gilgul Jvoa, tu pourras toujours le demander, même si tu devras juste jurer une Jvoa de Hesed, qui est à un niveau beaucoup plus faible, qui est une Jvoa purement des Rabbanan du temps de la Gemara, malgré tout, tu pourras lui imposer de faire le Gilgul Jvoa. Et après, la fin de la Mishnah nous enseigne la Shvit, Meshametet et Tajvoa, que l'année de Shvit, la Septante, ouais, ça dit comme ça, je crois, la Jachère, quoi, où à la fin de l'année, on annule toutes les dettes, annule, alors on annulera aussi la Jvoa. La vahanar shvuot de shutafin kai. On ne se rapporte pas sur les dernières shvuot qu'on expliquait dans cette mishnachet, des shutafim, des associés, des gérants et tout ça. Non, deha en shvit meshametet shutfut velo shvuata. Car pour eux, la shvit n'annule ni l'association, le fait d'être associé, ni le serment. Alors de quoi on parle? Et là, milva veshvuata imeshametet. On parle de manière générale sur toutes les dettes ainsi que toutes les serments imposés à cause de la dette. Alors la Shvit annulera tous ensemble. Et c'est tout pour aujourd'hui. J'ai plein d'aslacha quand tout c'est là.